Il est minuit, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, voici nos titres ce soir. À la une, la France reconfinée jusqu'au 1er décembre au moins. La deuxième vague sera sans doute plus meurtrière que la première, assure le président Macron ce soir. C'est le grand retour des attestations, les écoles, elles, restent ouvertes. En Allemagne, c'est un reconfinement partiel qui sera instauré du 2 au 30 novembre prochain, 4 semaines donc, pendant lesquelles bars et restaurants vont fermer. La chancelière Merkel promet 10 milliards d'euros d'aide supplémentaire. Et puis le président algérien, transféré en Allemagne pour raison médicale, à l'isolement depuis samedi, Abdelmajid Tebboune était hospitalisé depuis hier à Alger. Correspondance dans ce journal. Son allocution a duré une vingtaine de minutes. Emmanuel Macron a dévoilé à 20h les nouvelles mesures drastiques pour tenter de contenir la propagation du Covid-19 en France. Principale annonce, je vous le disais, le reconfinement du pays jusqu'au 1er décembre. Le chef de l'État prévient, si rien n'est fait, le pays comptera au moins 400 000 morts supplémentaires dans les prochains mois. On l'écoute.